القهار رب لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Inshallah, with Maulana permission, we are asking permission from our Mashayikh to give us support. Nous demandons le support de nos Mashayikh. Nous demandons leur intercession. Et nous demandons leur rahma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الحمد لله وشكرا لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bienvenue dans le majlis de Maulana Cheikh. Dans le majlis des Awliya. Nous sommes honorés de pouvoir fêter la naissance du bien-aimé, Seyyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. C'est un privilège d'être musulman. C'est un privilège d'être dans la Ummah du Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est un privilège de pouvoir accompagner les mashayikh, d'être appelé sous la bannière d'un cheikh. Et nous demandons à ces awliya, comme ils le disent dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont 124 000. Et nous demandons leur support et leur intercession. Et qui peut parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a aucune créature qui peut se permettre de parler de la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah, il est au-delà de notre imagination et de nos compréhensions. Et le Mashayikh nous enseigne l'humilité de ne pas essayer de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour parler de quelqu'un, il faut connaître la personne. Il faut marcher avec la personne. Seuls les Sahaba peuvent prétendre parler un peu de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'ils vont parler, ceci n'est qu'une goutte dans un océan. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Mashayikh nous enseigne aujourd'hui, quand vous demandez aux gens c'est quoi l'islam, ils vont dire l'islam c'est les cinq piliers. Kalimatu shahada, la prière, saoum ramadan, la zakat, hajj ou bayt al-haq. C'est cinq piliers. Nous oublions
que l'islam est à propos de la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne pouvons pas dissocier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de l'islam. L'islam, c'est la sunna du Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce qui manque? Muhammadun Rasulullah. C'est ça qui manque. Et quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, on rentre dans l'islam. Et la force de la ilaha illallah, c'est Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour rentrer dans l'islam. Et une fois qu'on rentre dans l'islam, on nous dit de prier. La prière, il y a des gens, je ne suis pas arabophone, ils disent al-salat. Al-salat, ce n'est pas la prière. Al-salat, c'est la connexion. De se connecter et de venir dans cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui nous a enseigné ça? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors la prière ou al-salat, c'est la sunnah du Rasul. Qui dit sunnah? C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et a dit. Alors la prière, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a amené la prière et c'est lui qui a défini les règles de la prière. Et c'est lui qui a montré comment faire la prière. Alors nous suivons la sunna du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors la prière n'est autre chose que la sunna du Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûne, qui a amené le jeûne? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne pouvons pas dissocier de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au jeûne. C'est lui qui a amené et qui a défini c'est quoi la prière. Le jeûne. C'est la même chose qui est dans la zakat. Et c'est la même chose qui est dans le hajj. C'est lui qui a montré et comment faire le hajj. Et aujourd'hui, les gens veulent dissocier Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de l'islam. L'islam n'est autre chose que la sunna du Rasul sallallahu alayhi wa sallam. L'islam n'est autre chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car sans Rasul, il n'y a pas de l'islam. L'islam est né avec la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est au-delà de l'imagination et de la grandeur des humains. Et de la compréhension des humains. Et le Mashaykh nous enseigne. On dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ta foi ne sera pas aussi complétée tant aussi longtemps que tu ne m'aimes pas, jusque toi-même. Alors, la foi, c'est qui? C'est l'amour du prophète. Tu veux avoir la foi? C'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois que tu as l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu aimes le prophète plus que toi-même, ta foi est complétée. Alors, on ne peut pas prétendre avoir la foi et ne pas aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous voulons, yani, nous juger de nos fois tous les jours, c'est de joser un peu, de regarder c'est quoi notre amour, le degré de notre amour avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, en ce moment, à partir de cela, nous pouvons dire ah, j'ai la foi ou j'ai pas la foi, ou ma foi elle est complétée ou pas. Tous les jours on doit se poser la question. Tout ça, les machaïfs nous enseignent,
Il dit cette vie n'est que éphémère, temporaire. Temporaire. Subhanallah. Regardez. Allah il dit, celui qui fait une salawat sur le prophète, je lui fais 10. Alors juste, on s'assoit, on imagine quel degré, quelle salawat, quelle prière Allah subhanahu wa ta'ala fera sur nous. Juste avec la demande de faire le salawat. Tu fais 10, il fait 100. Tu fais 100, il fait 1000. Tu fais 1000, il fait 10 000. Alors celui qui veut avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse le salawat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur le prophète. Allah! Qu'est-ce que le mashaykh nous enseigne? Ils disent, cette vie est éphémère, temporaire. Inna lillahi wa inna ilayhi rajoun. On est venu, on vient de chez Allah et on retournera chez lui. Quand on entend aujourd'hui quelqu'un qui est mort, tout le monde a peur. Oh, oh. Quelle bonne nouvelle. Allah il a dit, vous venez de chez moi et vous allez revenir chez moi. C'est une bonne nouvelle. Au moins, il ne nous a pas ramené quelque part d'autre, il nous a ramené vers lui. Alors, il faut être content et très joyeux. Et je vais retourner chez mon Seigneur. Juste avec cette joie dans ton cœur et ce contentement dans ton cœur, Allah peut te pardonner. Parce que tu aimes Allah, tu veux venir dans sa présence. En dépit de tout ce que tu peux faire. Juste de dire, je suis content d'entendre ce verset. Je reviens vers toi, ya Rabbi Allah. Et les mashayikh nous disent, cette vie, elle est temporaire. Temporaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour l'adorer. Hein? Et il a dit, avant de m'adorer, essayez de me connaître. Bah, l'ignorant ne peut pas connaître son Seigneur. Il dit, essayez de me connaître. Et il nous a donné un indice qui est là. Cet indice qui est là, connaissance. D'aller chercher cette connaissance dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait aller chercher la connaissance jusqu'en Chine. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un indice, la connaissance. Et comment on peut connaître Allah? Allah subhanahu wa ta'ala il a dit le cœur de mon serviteur est ma maison. Alors, Allah, il est la connaissance. Alors, il a dit, le cœur de mon serviteur est ma maison. Alors, pour que le serviteur puisse avoir cette connaissance et que Allah subhanahu wa ta'ala vienne dans sa maison, il faut que ce cœur soit pur, clean, propre de tout, sauf Allah. C'est pour cela que nous faisons, le mashaykh nous donne les awrad et le dhikrullah qu'on fait, la ilaha illallah, de dire qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Il n'y a rien d'autre existe que lui. Même ce la ilaha illallah, même les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala n'existent pas auprès de la ilaha illallah. Car on dit la ilaha illallah. C'est-à-dire, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Qudus, al-Salam, al-Muminun, jusqu'à al-Sabur, n'existe pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui existe. C'est pour cela qu'on fait le dhikr de la ilaha illallah, de nettoyer le cœur de tout excepté Allah. C'est pour cela dans la Naqshbandiya, après ce dhikr de tahlil, on fait Allah, 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 pour que Allah subhanahu wa ta'ala vienne dans sa maison. Et une fois que cette maison elle est propre et que Allah vient dans sa maison, il s'installe. La manifestation de Asma al-Husna, de Ar-Rahman jusqu'à Al-Sabur s'installe dans ce cœur. Et toute la connaissance, parce que nous, on ne connaît Allah que
par ses attributs. Quand tu dis Allah, qui est Allah? Les gens vont te dire, c'est Ar-Rahman. Tu dis, c'est qui est Ar-Rahman? Ils vont te dire, c'est lui, Allah. Tu dis, alors, qui est Allah? Ils vont te dire, Ar-Rahim. Qui est Ar-Rahim? Ils vont te dire, c'est Allah. When you ask people who is Allah, they will say, is Ar-Rahman. And when you ask them who is Ar-Rahman, they will say, is Allah. That means we don't know Allah subhanahu wa ta'ala except by his attributes. On ne connaît que par ses attributs. Et on connaît et on existe et tous ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala existent que par le nom Allah. Et toute chose existe par Allah. Il n'y a aucune chose qui viendra dans l'existence. Toute chose viendra dans l'existence, dans cette vie, que par Allah. Et une fois qu'il s'installe, la connaissance s'installe. Et le serviteur serait occupé à servir son Seigneur. Et il ne voit, il ne regarde pas ni à gauche, ni à droite, ni en avant son service. Il serait busy, occupé à servir son Seigneur. Et de ne pas détourner ses yeux sur son Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui prétend cette connaissance. Cette connaissance... Et nous, on peut dire que c'est dans la main de nos machaires, qui sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette connaissance, le prophète a donné à ses compagnons. Et ses compagnons, ils ont donné à leurs compagnons. Jusqu'à aujourd'hui. Qu'Allah nous protège de la prétention. Qu'il nous protège de l'arrogance. Qu'il nous protège de nous-mêmes. Qui nous protège du shaitan, qui nous protège de la dunya, qui nous protège de nos désirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, nous avons quatre ennemis. Shaitan, nafs, le hawa, nos désirs, et la dunya. C'est quatre ennemis. Il n'a pas dit d'autres... c'est quatre ennemis. Et ces quatre ennemis sont la nourriture l'un pour l'autre. L'ego, il désire. Son désir n'est jamais satisfait. Il demande toujours, toujours, toujours. Et où est-ce qu'il va aller chercher sa nourriture? C'est Madame Désir. Et Madame Désir vient toujours mettre devant l'ego. Beaucoup de choix. Et il les donne. Et Madame Désir, il faut qu'elle aille chercher aussi sa nourriture quelque part. Elle va aller chercher dans la dunya. Et la dunya, il faut qu'elle donne. Et la dunya, il faut qu'elle aille chercher sa nourriture quelque part. Et Shaitan, sa'idou billah, en train d'embellir la dunya, de la rendre plus belle. Plus belle, tous les jours. Tu as Mercedes, Rolls-Royce, quoi d'autre? Porsche, hein? Lamborghini, ça c'est les voitures. Et on rentre dans les avions, et on rentre dans les appartements, et on rentre dans les chaussures, et on rentre dans les chapeaux, et on rentre dans les vêtements. Et on rentre. Il est en train de l'embellir. On a des chaussures ou des vêtements qu'on n'a pas portés plus que 6 mois. Alors ça veut dire qu'on n'a pas besoin. Et pourquoi on le garde? Tiens, donne. Mais l'ego, il n'est jamais satisfait. Jamais. C'est pour cela que le machin nous dit, faites attention. Et ces quatre ennemis. Allah nous donne la baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de nous donner la force et l'énergie de pouvoir continuer à faire le salatul nabi. Quand on a des soucis, on appelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un sahaba, il y a notre frère qui nous rappelait, il y avait un saint hadith, il y avait un sahaba qui était malade. Il avait mal au pied, il n'arrivait pas à se mettre debout.
Un sahabi qui lui dit, appelle la personne que tu aimes le plus. Il a dit, Ya Muhammad. Il a dit, Ya Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et toute la douleur est partie. Et il s'est levé, il a commencé à marcher. Et nous, quand on a mal au pied, il faut aller voir le physio, l'ostéo. Tu lui dis, appelle Muhammad, tiens. N'est-ce pas prendre mon Advil d'abord ou tel médicament, parce que tu sais, déjà on ne croit pas. On ne croit pas. Si on nous dit ça, ils vont dire, lui là, il est fou. Qu'elle a appelé Ya Muhammad, laisse-moi prendre mon Advil et mon Tylenol. Et là, je vais être guéri. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il a dit, le Coran, c'est Shifa. Non. Et qui a le Coran, cher? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, surat al-Yasin, c'est le cœur du Coran. Yasin, c'est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si on veut avoir la guérison, on fait quoi? Coran, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est lui le Coran. On veut avoir la guérison, on appelle Ya Muhammad, 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 Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, Ya Nabiullah, Ya Rahmatan lil Alamin, Ya Miftahul Jannah, Ya Miftahul Rahma, Ya Sayyid, Ya Rasulallah. Pourquoi on ne le dit pas? Parce qu'on ne croit pas à lui. On croit à docteur XY. On nous dit, ok. Après, on nous dit, oh, telle personne est diagnostiquée cancer. Comment c'est venu? Telle personne, oh, il a tel. Faut l'amener au mental house. Oh. Alors, la guérison, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La guérison, c'est Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas aller voir le machin, le Cheikh Nazim, il disait toujours ça. Cheikh Hicham, j'étais là-bas récemment, quand il parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il pleure. Juste entendre le nom du prophète. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala crée chaque moment. À chaque créature qui crée, c'est écrit sur leur front comme cadeau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est écrit Muhammad al-Habib. Un cadeau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad al-Habib, Muhammad al-Habib, Muhammad al-Habib, Muhammad al-Habib. C'est la guérison, c'est le prophète. Qu'Allah nous guérisse. Amen. Qu'il nous allège nos fardeaux. Amen. Qu'il nous donne le contentement et la satisfaction. Amen. Par la baraka de ce mois béni. Amen. Et par la baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la grâce de nos aouk, de nos mashaykhina al-kiram. Ila hadrati Nabi al-Fatiha. Bismillah. Amen. Takhabarallah.